C'est dégueulasse. Ah. Elle l'a avalé, hein. Oh mon Dieu. Léna. Ah, faut quart de l'UML. Oh, le tatouage est juste super classe. Hop, les bras. Ah, pas beaucoup de poitrine, hein. Et voilà, la malédiction. Au cœur du continent impérial se trouve le royaume d'Elyria, à des confins les plus lointains, à des centaines de lieues de sa capitale, Helikon. Une terre inhospitalière s'étend à perte de vue. Orcanos. Au plus profond de cette région désolée, où nul ne peut pénétrer, la terre a été déchirée pour former un gouffre sur des milliers de lieues que l'on nomme la brèche. En son centre, suspendu au-dessus de cette faille insondable, s'élèvent les 13 tours. Des tours de toute taille qui se lient et s'entrelacent, chacune ayant son rôle à jouer. Dans cette architecture inégalée, elles fusionnent pour ne former qu'une seule et une vaste forteresse. Maintenue par 12 chaînes agrippées aux parois à tours, les tours se tiennent menaçantes comme une araignée sur sa toile. Elles semblent occuper un espace au-delà du monde réel. Leurs tourelles hérissées ont pour fonction de retenir la terre autour d'elles, pour empêcher la brèche de s'élargir et de déchirer le monde. Pandora's Tower. Ok. Bah oui, t'as plus rien, hein. T'es contente? Tu es revenu? Tu as réussi? Ouais. Bon, maintenant que t'es dans un lit, ouais, mais c'est qu'il y a une vieille qui... Je peux retourner dans mon village? Ne te réjouis pas trop vite, jeune fille. La malédiction est loin d'être levée. Là, sur ton dos. Pas tant que cette marque restera. Elle est juste trop classe, la marque. La malédiction n'a pas été levée. Comment ça? Je serai devenu normal. Pas pour longtemps. Tant que tu porteras cette marque, la malédiction prendra le dessus. Mais alors la viande? Non, je ne peux pas supporter. Bien, j'ai peur que tu y sois contrainte. Sinon, les choses ne vont faire qu'empirer. Dire que la jeune fille de la fête de la récolte est forcée à manger de la viande. Pourquoi tout cela? À cause de la malédiction, Luna. Bon, c'est vrai. Pourquoi maudire Luna? En effet, pourquoi? Comment serais-je? D'autres sont maudits. Évidemment, la pauvre Elena n'est pas la première à subir une telle malédiction. Qu'est-il arrivé aux autres? Toutes sortes de choses. Certains sont tombés sur l'armée qui a réglé leur sort. D'accord.
traverser la tour. Tout ce que tu dois faire, c'est rapporter la chair de bête que tu prendras dans les tours. Cela ne fera qu'affaiblir la malédiction, mais ne l'arrêtera pas pour toujours. Que voulez-vous dire par affaiblir la malédiction? Lorsqu'Elena consomme la chair, la transformation s'inverse. Mais ce n'est qu'un sursis. Si tu la laisses dans cet état, sa transformation va continuer inexorablement. Si tu ne ralentis pas la malédiction, elle perdra sa forme humaine à jamais. Mon nom est Navda, et ne t'avise plus de l'oublier. Mais qui êtes-vous? Je t'ai déjà dit, je viens du peuple Vestra, et nous sommes des marchands ambulants. Qui est sur votre dos? Déjà oublié? C'est pas possible, j'ai fait la présentation. Ce vieillard est un précieux ami. Il est plutôt timide et effacé, j'en ai peur. Et toi là-haut? C'est bien vrai, n'est-ce pas? J'aime bien le vieux au-dessus. Putain, mais... T'as senti mon destin. Être cloîtré ici à manger de la chair répugnante. Dois-je apprendre à vivre ainsi? Ne puis-je pas lever la malédiction? Lever la malédiction, dis-tu? Eh bien... Oh, Mada. Dis-le-moi. Tu dois retourner au tour au plus profond de chacune. Le maître t'attend. Prends ses maîtres et reviens avec leur chair. Si Elena mange cette chair, la marque sur son dos s'atténuera et elle redeviendra humaine. Non, pas question. Je ne peux pas demander à Iron d'affronter tel danger pour moi. Bien sûr, c'est facile à dire, mais pas à faire. Oh, cela me rappelle que j'ai un petit quelque chose pour toi. Ouh. Putain, c'est long à commencer quand même. Hein. Ah, mes chaînes. Non, pourquoi on rend les chaînes? Ceci appartient à mon peuple. On l'appelle la chaîne d'Oracle. Maintenant, il me faut quelques-uns des super cheveux d'Elena. Oh non, pas ses cheveux. S'il vous plaît, elle est très belle comme ça. C'est pour le bien d'Iron. Non, pas ses cheveux. D'accord, le mec il coupe avec ses doigts. Allez, une petite incantation. La chaîne se lève. Je suppose que c'est une première pour vous. Bah ouais. C'est incroyable à voir, non? Mon peuple est Vestra a hérité d'un pouvoir spécial. Nous pouvons contrôler les chaînes du destin. Les liens invisibles qui unissent les peuples les uns aux autres. Et plus de chaîne. Ah aussi. Mais elle a pas de main ou quoi? Tends la main. Oui, oui, c'est ta main. Oui, oui. On dirait que tu sais ce que tu fais. Alors je vais te la confier. Désormais, où que tu ailles, tu seras toujours lié à Elena. Sauvegarder. Oui. Est-ce que je m'arrête là? On va s'arrêter là et je vais faire tous les réglages pour le son pour la prochaine vidéo, comme ça ce sera fait. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Et salut, j'espère que ça vous aura plu. Allez, bye.